Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo ça sera un haul. Donc on est dans un haul d'automne partie 2. Par contre j'ai décidé de faire un haul partie 2 automne un peu en retard parce que là il commence à faire froid, en tout cas à Paris. Bref, je vais vous montrer ma sélection. Comme d'hab, les vêtements m'ont été envoyés gratuitement parce que c'est une collaboration avec Shein. Je suis en collaboration avec eux sur le long terme. Donc j'ai un code promo qui sera dans la barre d'infos. Le code promo CANNELST, il est plus valable toute l'année. Donc là c'est Q2 CANNELST, il est valable jusqu'à décembre. Honnêtement, tout sera dans la barre d'infos. Je mettrai tout dans la barre d'infos. Je vais essayer de vous sortir le haul le plus rapidement possible. Donc voilà, je vais vous montrer ma sélection. On va tout essayer ensemble en espérant que tout soit carré surtout. Voilà les filles, j'ai pris une petite veste comme ça, façon un peu bombers. Je la trouve super belle mais elle est un peu trop grande pour moi. J'ai pris du L. La couture au niveau des épaules, elle tombe trop. J'aurais dû prendre du M mais bon. C'est pas très grave, c'est pas très dramatique. Je veux que mettre ma main dans ma poche, j'ai pas poche. J'ai décidé de porter cette veste avec ce jean. Donc c'est un jean avec des lacets sur les côtés. C'est un petit rappel par rapport à la veste, le mood, vous voyez. Et le délire, là on n'est pas dans le dupe. Là on n'est pas dans le dupe. Pour l'instant on n'est pas dans le dupe. J'ai décidé d'accessoiriser cette tenue avec un petit sac. Un petit sac comme ça, sympathique. Ça dérange un peu que les détails ici soient dorés et la veste c'est argenté. Ça c'est des trucs que j'aime pas trop ça. J'ai oublié de vous dire, au niveau de la taille du pantalon, j'ai pris une taille L, donc une taille 40. Et ça me va parfaitement. Genre le pantalon il tombe bien, il est pas trop long, il est ni trop court. Je fais 1m67 et je fais 66 kg. Voilà, pour les personnes qui veulent savoir ou qui veulent se référer à mon poids et à ma taille. Donc voilà les filles, première tenue. Je sais pas ce que vous en pensez. La tenue, je trouve ça cute. Je trouve ça cute, je mets la note de 8 sur 10 parce qu'on peut pas dire que c'est mon style, genre my type à 100%. Moi je suis quelqu'un, je suis plus dans le dupe. De toute façon pour les personnes qui me connaissent, vous savez déjà. Ensuite les filles, j'ai pris une combinaison beige. J'ai pris une taille S, elle est taille archi grande. Elle n'a pas une taille S, déjà de 1. Et de 2, elle est sautée. Elle est sautée, je comprends pas. Donc la combi, je valide pas trop. Ensuite j'ai pris ce petit gilet pour aller avec. Donc c'est un gilet que j'ai pris chez les hommes en taille L. J'aime beaucoup, vous n'êtes pas obligé de l'accorder comme ça, bien évidemment. Mais là je voulais tester, voilà. J'aime vraiment beaucoup. Après les filles, le gilet il est hyper fin. Mais genre vraiment hyper fin. C'est-à-dire que c'est une feuille. Il y a zéro matière. Il y a vraiment zéro matière. Mais il est hyper beau. Je vous conseille de mettre un gros pull en dessous. Sinon on ne peut pas sortir comme ça. Il fait trop froid. Je suis désolée. Puis fermé, je trouve que par contre ça fait un bail. Je trouve que fermé, c'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Je préfère fermer avec un bon sac. Il y a moyen de faire quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis assez mitigée, mais je pense qu'on peut vraiment avoir quelque chose. Une bonne paire. Voilà. Allez. Tenue suivante. Pantalon chez les hommes en taille L. Les filles, il est hyper fin, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment beau. J'ai décidé d'accorder ça avec cette petite veste. La veste, elle est aussi archi fine. Et j'ai pris une taille L. Ouh. On a quelque chose. We have something, I really like it. Alors voilà les filles, ce que ça fait la tenue, j'aime trop. C'est un 10, mais vraiment un 10. J'aime trop la veste, la couleur de la veste. Par contre, elle est hyper fine. Je trouve que c'est un perfect match, en fait. Joli, les deux vont ensemble. Vous mettez un petit sac beige aussi, crème, et c'est carré. Alors là les filles, j'ai flop. Autant la veste, les filles, je kiffe. J'ai pris une taille M. J'ai rien à dire, mais la jupe... La jupe, comment elle est moche. En fait, je n'aime pas du tout la jupe. En fait, il y a un truc qui me dérange dans cette jupe. J'aimais bien le côté atypique grâce aux poches. Mais là, j'aime pas. Là, j'ai pris une taille 29, donc c'est entre le 38 et le 40. Mais franchement, non. Et puis, si j'avais une main derrière, c'était pour vous montrer, genre, quand la veste, elle était serrée. Sinon, la veste, elle est comme ça. Voilà. Non, la jupe elle est horrible. Les filles, tenue suivante. Les filles, j'ai gardé la même veste. Et là, on va juste parler du jean. Donc, j'ai pris ce jean là chez les hommes. La qualité, j'aime trop. Enfin, c'est un jean. J'ai pris une taille 30. Les filles, il est hyper grand. Il est un peu baggy par contre. Donc, pour les personnes qui aiment les jeans taille haute, il est un peu long. Pas trop. Et le truc que j'aimais trop, c'était le gris là. Le gris entre les jambes et le gris sur les côtés. Sachez que. Si vous trouvez que vous avez des grosses cuisses, les filles, il va vous amincir. Voilà. Voilà les filles, on est sur un petit ensemble. J'ai pris une taille L. La jupe, elle tombe un peu. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais on a une petite veste comme ça, du coup, marron, avec la jupe qui va avec marron. J'ai rien à dire. Simple, efficace. Rien juste à sa taille, quoi. Après, là, j'ai la gaine.
mais avec mon bide, moyen, elles tiennent bien. Voilà, en tout cas je trouve que ça taille bien en vrai. Regardez la veste, je suis une taille L, normalement ça taille bien. La jupe, bon, légèrement grande, mais j'ai la gaine, donc je me dis qu'avec mon ventre, voilà. Petite tenue cute, très 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 cute, j'aime beaucoup. Alors les filles, cette tenue, je vous cache pas, je me suis trop dit, j'ai trop hâte de la mettre et tout, je suis grave déçue. J'aime beaucoup cette tenue, mais qu'est-ce qui me dérange? La jupe. La jupe, elle est bad courte, je sais pas si vous voyez. La jupe et les bas de courte. Genre vraiment vraiment. En plus c'est une taille 28. Enfin donc c'est du 38. Je pense qu'ils se sont trompés sur la taille, puisque ça me paraît impossible d'avoir pris du 28. Et la jupe elle est vraiment trop courte. Au niveau des cours, c'est court, sachant que le derrière là, il remonte. Pardon, je peux pas me retourner. Je peux pas me retourner, c'est censuré. Faut que je m'achète une jupe comme ça mais plus longue. Mais sinon j'aime bien le combo du sweat. Le sweat j'ai pris une taille M. La jupe du coup c'est du 28. Et j'ai pris un petit sac comme ça pour... ça y est avec en fait. Franchement la jupe elle serait pas courte. 10 sur 10. J'aime trop la vibes. Cette tenue, c'est vrai que ça me ressemble pas trop. Genre le pull et tout. Mais je kiffe. Genre j'aime vraiment vraiment trop. Le pull il est cali, c'est épais. Par contre il gratte un peu donc il faut mettre un t-shirt en dessous. Du coup j'ai pris une taille M et pour la jupe j'ai pris une taille L. Les filles vous voyez ça n'a rien à voir. Genre la jupe de tout à l'heure et celle-ci. Ça pour moi c'est une bonne longueur. Franchement j'aime beaucoup cette tenue, même regardez, genre le pull lâché comme ça. J'aime trop aussi, j'aime vraiment trop. Après vraiment je pense que c'est pas tout le monde qui va aimer ce style. Mais moi j'aime vraiment vraiment beaucoup. Encore une fois là je suis pas dans mon dupe. Et je kiffe. Je kiffe ce style. Ensuite j'ai pris ce pull en taille double XL. Je vais pas le mettre avec cette jupe. Mais voilà c'est juste pour vous montrer le pull. Il est trop beau. Puis j'aime trop le pull. Quoique je peux le porter avec la jupe hein. Ou est-ce que ça n'est pas trop sac? Les filles, le pull il est comme ça, vous pouvez voir quand même il est un peu long. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. De toute façon j'aime beaucoup le rouge. Je vous l'ai déjà dit depuis mes derniers hauls. Et je trouve que ça fait un peu cheap. Il est quand même épais. Genre c'est pas un pull archi fin. Mais c'est pas the pull. Genre c'est pas le pull de qualité. Beaucoup le style en fait du pull. Après je ne sais pas avec quoi je vais accorder ça. Bref, voilà, je valide. J'aime beaucoup le pull. Vraiment très original. Love it. Alors là on est sur ma tenue la plus atypique de mon haul et de tous les hauls je crois que j'ai fait de ma vie. Ma mère quand elle a vu ça elle a crié. Donc je comprends que vous puissiez crier mais moi je suis dans un délire. Là j'ai un peu poussé le bouchon. Voilà moi je suis un peu dans ce délire là. Dans les délires US et je kiffe. Je kiffe. Moi j'aime trop. Les filles j'ai pris une doudoune sans manches en taille M. Donc c'est un rouge qui est bien brillant. Pour aller avec j'ai pris un petit débardeur rouge. J'ai pris un lot de caleçons en coton, donc vous en avez plusieurs. Mais là, j'ai mis un rayé bleu, rouge et blanc pour que ça puisse aller avec la tenue. J'ai mis le pantalon comme ça pour que ça fasse un petit genre, un petit style. Sachez, je trouve que ça fait un peu boring. Les filles, c'est un pantacourt, c'est pas un pantalon, c'est un pantacourt. Je vous mettrai la vidéo de toute façon ici. Pas au goût de tous, je le comprends, je le conçois. Des fois, je suis un peu à l'ouest. Moi, j'aime bien. Voilà. J'aime bien les gens qui sont à l'ouest. J'aime bien les gens qui se démarquent. Vraiment les filles, je trouve qu'il y a quelque chose. Voilà, je sais pas si vous allez aimer, mais moi, je kiffe. Alors là, les filles, j'ai pris une petite veste comme ça en taille M. Je pensais qu'elle allait être un peu plus bordeaux, là, elle est plus violette. Et avec ça, j'ai pris un jean, il est magnifique. Je l'ai pris chez les hommes, j'ai pris une taille 30. Il est trop beau, vous avez des petites taches sur les côtés. Et des petites taches de peinture, il taille super bien. Genre vraiment, j'aime trop. Un peu taille haute en plus. Je valide de ouf, vraiment c'est ma tenue préférée. Moi les filles j'aime trop, après j'aurais vraiment aimé que la veste soit un peu plus rouge. Elle est vraiment violette là je trouve. Enfin les bordeaux qui tirent vraiment vers le violet. Ma tenue du coup j'ai pris un petit sac pour aller avec. Super beau, je trouve que ça fait son effet. J'aime vraiment beaucoup, je valide. Et un t-shirt comme ça, simple. J'ai pris chez les petites parce que je ne trouvais pas dans la taille normale. Mais au final il me va super bien, j'ai pris une taille S. Et j'ai pris un petit jean, les filles, hyper atypique, mais super beau. Vraiment, je le trouve incroyable. J'ai pris une taille 38, les filles, parce qu'il y avait plus de taille 40. Je me suis dit, eh, vas-y, Canel, prends-le. Au pire, tu vas grave maigrir pour le porter. Prise, il me va. Il me va comme un gant. Il est ni trop grand, ni trop petit. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop, trop, trop contente. Il est incroyable. Je trouve le fait que ça soit pas la même couleur sur les côtés. La coupe, elle est parfaite. Et en fait, de base, les filles, c'est un pantalon hyper taille haute. Vraiment, vraiment très, très, très taille haute. Regardez jusqu'à où il va. Jusqu'ici. Mais moi, je me suis dit, je vais juste replier ça. Ça va faire un petit style.
Et au final, j'aime trop. Je crois que c'est ma pièce préférée du haul jusqu'à maintenant. J'ai gardé le même t-shirt que tout à l'heure. Et j'ai pris un petit pantalon cargo gris. Comme ça, il est super beau. J'ai pris une taille L. Les filles, le seul truc que j'aime pas dans le pantalon cargo, c'est qu'il n'y a pas de poche au niveau du derrière. Mais sinon, rien à dire. Super agréable. Il est vraiment votre taille. J'ai pris une taille L. C'est parfait. J'ai hésité entre le M et le L. Heureusement, j'ai pas pris du M. Je suis quelqu'un, je peux pas être dans des pantalons serrés. Vraiment, I can't. Un petit trench comme ça, basique. J'aime beaucoup. Les trench, la base pour l'automne. Vraiment, vraiment, vraiment la base. Même pour l'hiver avec des gros sweats en dessous. Je trouve ça trop beau. On valide. Et ensuite, les filles, pour terminer, valeur sûre. Les ensembles Glow Mode. Donc là, ils ont sorti le marron. Vous avez deux types de marron. Moi, j'ai pris le marron un peu plus foncé. J'aime trop pour l'automne et tout. Je trouve que ça match hyper bien. C'est les meilleurs ensembles, vous savez déjà, Glow Mode. Pépites, leurs articles vraiment au niveau de la qualité, truc de fou. Les ensembles comme ça, c'est la base, que ce soit pour le sport, que ce soit pour traîner, que ce soit pour faire des courses vite fait. J'aime trop, je les aime trop. Enfin bref, en tout cas, certains articles comptaient sur moi pour faire des petites photos outfit sur Insta et des petits looks aussi sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux TikTok, Instagram. Et voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous retrouverez mon code promo dans la barre d'infos, les liens des articles dans la barre d'infos, mes réseaux dans la barre d'infos. Donc voilà les filles, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. Bisous.